Ce poussin se jette d'une falaise alors qu'il ne s'est pas encore volé. Il le fait pour la survie de son espèce. Les bernaches nonnettes font éclore leurs petits au sommet d'un piton rocheux pour les protéger des prédateurs. Mais si les poussins restent là-haut, ils mourront de faim. Pour trouver de l'herbe à manger, ils doivent descendre 120 mètres plus bas. Le premier poussin s'élance. Il se met à plat et bat des ailes pour tenter de ralentir sa descente. Il heurte les rochers, mais parvient à se repositionner. S'il atteint le sol à plat ventre, il a plus de chances de survivre à l'impact. Un autre oisillon saute de l'arrière de la falaise. C'est moins haut, mais il risque d'atterrir loin de ses parents et de se perdre. C'est au tour du troisième qui saute courageusement, mais qui fait au passage glisser un quatrième poussin. Celui-ci se retrouve tête la première, beaucoup trop proche de la falaise. En bas, les parents ne retrouvent que trois rescapés sur les cinq poussins qu'ils avaient en haut. Celui qui a glissé s'est écrasé dans la falaise, et un autre poussin a disparu. Mais les parents n'ont pas le temps de l'attendre, ils doivent vite mettre les survivants à l'abri des prédateurs. Cette épreuve est indispensable à la survie de l'espèce.